Vous avez peut-être déjà entendu parler du cabillaud ou de la morue et n'avez aucune idée de comment la cuisiner. Eh bien, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment je la prépare. C'est parti! Après les découpages, je viens plonger tout le morceau dans l'eau froide que je vais aussitôt jeter pour enlever l'excédent du sel et ensuite tremper pendant 24 heures, voire plus si les morceaux sont plus épais, comme c'est le cas. Et l'eau doit être régulièrement changée pour éviter de maintenir la morue salée. Mettre une généreuse quantité d'huile et frire à feu moyen pour éviter de la cramer. Le but, ce n'est pas de trop frire, mais plutôt de dorer. Tout en gardant ses côtés tendres de la morue. Je vais laisser cuire les ingrédients à feu très doux. J'ajoute du bouillon de légumes, du paprika doux et du poivre. Je signale que c'est très peu salé et que ça n'a aucune influence sur la morue. Après avoir laissé mijoter à couvert pendant environ 8 minutes, je viens étaler la morue, je couvre, j'éteins le feu, je laisse tout simplement la vapeur incorporer la morue. Au bout de 3 minutes, elle est prête à être dégustée. Vous pouvez l'accompagner avec du riz, de pommes de terre, de la semoule, etc. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas de liker, commenter et de vous abonner bien sûr pour m'encourager. Merci et à la prochaine.